Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube, chaîne dans laquelle je vais consacrer des pastilles vidéo entre 5 et 10 minutes pour parler euh, de films qui m'ont marqué. Ça peut être aussi des livres ou des jeux vidéo, donc je vais essayer d'être le plus bref possible. Et pour commencer, je me suis dit que euh, Maigreton Un Piège, qui est un de mes films de chevet, euh, est un bon moyen. C'est un film de 1958, c'est donc un vieux film français en noir et blanc. Euh, trois raisons qui me font espérer que cette chaîne va cartonner. Donc, euh, je vous montre l'édition euh, Coin de Cinéma. Il y a une très, très belle édition euh, Blu-ray euh, avec une belle qualité d'image. Euh, J'ai gardé quand même euh, le vieux DVD de chez René Château, tout simplement à cause de la jaquette qui reprend l'affiche originale. Et voilà. Donc, euh, c'est un film adapté du roman homonyme de Georges Chimnon. Alors, ce qui est marrant, c'est que Georges Chimnon a été le premier écrivain euh, contemporain à être adapté dans l'histoire du cinéma ça me semblait intéressant à le noter, donc Georges Simenon, bah, tout le monde connaît au moins deux noms, ne serait-ce que pour sa série des et, euh, bah, Maigret. et euh, Maigret, Jean Gabin et puis euh, Simenon, c'est vraiment une longue histoire d'amour, tout comme leur attrait pour le polar. Georges Simenon a écrit beaucoup de polar, tout comme Gabin en a incarné beaucoup aussi au fil de sa carrière, il faut savoir que l'écrivain a toujours dit que pour lui le polar c'était une sorte de, de, de rampe pour conduire son récit, et il se servait de la carte de police du commissaire pour vraiment l'emmener partout. Et effectivement, au fil des interrogatoires, on va croiser absolument toutes les classes sociales, que ce soit le milieu prolétaire, que ce soit le milieu bourgeois, ou même les désaxés, les retraités. Et il faut savoir que Jean Gabin, il était très, très attaché à donner de la crédibilité. Et cette crédibilité passait par la connaissance du métier. Et quand vous regardez de près la filmographie de Jean Gabin, euh, c'est loin de s'arrêter à ces deux figures archétypales que sont euh, le gangster et euh, le policier il a aussi joué des euh, restaurateurs, des euh, chauffeurs routiers euh, des paysans ou même un retraité euh, dans Le Chat qui est aussi adapté de Georges Chimnon donc malgré en un piège c'est un film de Jean Delannoy euh, réalisateur qui a été très très décrié par euh, les jeunes turcs de la Nouvelle Vague euh, quand ils étaient critiques donc, euh, notamment François Truffaut Qu'est-ce qu'il lui reprochait D'abord, il lui reprochait euh, sa façon de s'habiller, Jean de la ce qui peut paraître assez puéril aujourd'hui. Effectivement, Jean de la il venait en costume cravate. Euh, un attaché case à la main, et il se pointait euh, comme ça dans les studios, tout comme un employé de bureau se rendrait à son travail. Mais finalement, le reproche le plus courant euh, qu'avaient euh, les jeunes Turcs de la Nouvelle Vague à l'endroit de, des films de Delannoy, tout comme les films de Gilles Grangier aussi, que j'aime beaucoup, c'était leur académisme. L'académisme, le, c'est en fait le respect des, des conventions. Donc euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma de papa, voir un cinéma plan-plan. Et ce qui est absolument faux, finalement, surtout quand on regarde Maigreton à piège, qui cumule beaucoup d'audace d'un point de vue stylistique, ou même des audaces de mise en scène. Stylistique, déjà, parce que dès le début du film, ça commence en fait comme un film noir. On se croirait dans un film de Fritz Lang ou d'Hitchcock, voire même si vous connaissez l'excellent témoin aveugle de Richard Fletcher, c'est-à-dire qu'on fétichise le tueur. On voit ses, ses mains gantées, euh, qui prend un couteau. Il porte un chapeau, on voit la silhouette du tueur qui se découpe comme ça devant son ombre qui se reporte sur un mur en briques. Donc tout ça, ça apporte une sorte d'atmosphère de film noir et bah, qui va être exacerbée par la mise en scène, notamment ce travelling avant subjectif qui était franchement détonnant à l'époque, ou bien une séquence un peu plus anodine dans laquelle on voit le commissaire qui rentre chez lui et éreinté. On va comme ça traverser euh, les pièces, on passe euh, de son euh, couloir euh, au salon, et puis du salon à la cuisine dans un plan séquence, et on a la caméra qui défie en fait le, les lois de la physique parce qu'elle traverse littéralement les murs. Donc euh, on se croirait presque dans un film de Sam Raimi. Euh, et à la différence quand même que là le processus il est totalement invisibilisé, vous ne prêtez pas attention en fait à cet effet. Et euh, donc on imagine évidemment que c'était des euh, un décor totalement créé de toutes pièces. La plupart des décors d'ailleurs, du film ont été construits dans les studios d'Épinay, même pour les séquences d'extérieur, avec un vrai soin, que ce soit dans les détails, dans la photographie. Il y a par exemple cette séquence, l'une de mes préférées dans le film, qui dure environ 3 minutes et dans laquelle le commissaire va tenter de comprendre comment le tueur arrive à chaque fois à échapper aux policiers alors qu'absolument tout le secteur est quadrillé de toutes parts. Et en fait, c'est en observant tout simplement. Euh, des enfants joués dans une petite ruelle. Donc, Maigret euh, en un piège est aussi exceptionnel de par son casting. On y croise Amandie Gerardo, qui a un rôle euh, vraiment euh, très touchant, euh, même dans des tout petits rôles. Il hein, y, y a Lino Ventura, nous avons euh, Jean de Sailly. Et puis, euh, Lucienne Boguert, qui a un rôle extrêmement intéressant et qui fait écho, je trouve, à un autre film avec Jean Gabin qui a été tourné trois ans auparavant. Euh, Voici le temps des assassins de Julien Duvivier. Elle incarnait une mère qui avait euh, totalement euh, pourri l'éducation. De sa fille en corrompant sa notion du bien et du mal. Et finalement, euh, en insufflant ainsi du, du poison euh, petit à petit au fil de la croissance de son enfant, euh, bah, ça allait dégénérer en, à la psychopathie et cette euh, psychopathe euh, va devenir euh, une tueuse. Voilà. Donc, dans le film de Jean Delannoy pour éviter de euh, trop spoiler, sachez juste qu'elle incarne aussi une, une mère qui a euh, vrillé un petit peu dans l'éducation de son enfant. Même si elle n'a pas du tout la, la, le même physique dans le, dans le film de, de Lanois, elle est incarne comme ça une bourgeoise très apprêtée et qui vit dans un très bel appartement. Voilà, alors que dans le film du Vivier, c'est vraiment dans une chambre de bonne insalubre. Julien Du Vivier, qui est vraiment un de mes réalisateurs préférés, réalisateur génial qui avait vraiment un, un sens de la mise en scène. Il y avait quand même des, des plans à la grue, un, un travail sur, le, sur, le, sur la composition des plans. Par exemple, dans le film Panique, encore adapté de Georges Chivnon. Euh, avec Michel Simon, il y avait un travail sur les obliques qui était franchement formidable. Autre élément aussi pour défendre le film et vous euh, montrer qu'il se décalque vraiment de ce qu'on appelle du cinéma à la papa, c'est aussi son approche euh, de la violence. Euh, le film a été fait hein, dans les années 50, donc euh, c'était en pleine période du Code ICE hein, aux États-Unis, vous savez, ce fameux comité de censure qui euh, mettait un garrot sur absolument tout ce qui, était, tout ce qui avait à trait à la violence au langage et évidemment à l'érotisme. Eh bien, Maigreton à piège explose absolument toutes ces formes de censure. D'abord, la violence. Alors, évidemment, il n'y a pas de diffusion de sang, mais par contre, les crimes sont montrés, voilà, on poignarde face caméra les, les femmes. Euh, la nudité, alors c'est très bref, mais il y a quand même de la nudité frontale, une nudité féminine en plus. Euh, et puis, au niveau du langage ordurier, bah, disons que le personnage du psychopathe, qui a un problème manifeste avec les femmes, avec un certain profil de femmes, euh, va les taxer de femmes de petite vertu. Alors, il les insulte pas en disant Oh, femmes de petite vertu Non, il utilise un autre adjectif, évidemment, que je ne vais pas dire sur sa chaîne YouTube. Ce serait quand même dommage d'être banni euh, dès la première vidéo. Donc, je vous laisse deviner. Bref, tous ces éléments et aussi euh, la qualité de Jean Delannoy, euh, c'est aussi grâce au scénario de euh, Michel Audiard. Michel Audiard, qu'on connaît tous pour euh, ses dialogues, euh, ses punchlines, hein, les tontons flingueurs notamment. Là, il est vraiment au service du scénario, au service de ses personnages. Donc là, il n'y a pas le, ce que j'appelle la pyrotechnie verbale, en fait, euh, qui est parfois euh, handicapée, handicapé certains films, surtout dans, dans, dans les années euh, 70, en fait. « Tu comprends on pourrait peut-être prévenir les criminels ?»« Oh, il y a pas eu l'urgence !»« Ah, vous, même, ça regarde tout maigré ah, !»« Si on doit être le tant que ce soit nous, qu'est-ce qu'il fera de plus, maigré ?»« Et bien à cette il ce roupille, monsieur le divisionnaire, tu penses ?» Donc dans le, dans le scénario, euh, comme je vous disais, Gabin euh, va être amené à croiser euh, plusieurs euh, personnages et on arrive à avoir vraiment euh, une idée euh, de, de l'opinion euh, publique. Alors c'est aussi représenté par cette masse de journalistes qui passent leur temps à, à harceler Maigret pour savoir où il est né de son enquête, hein, parce que euh, Paris a peur, ils le disent. L'auteur a même comparé à Jack Léventreur. Mais aussi avec ces petites scènes avec des badauds à la terrasse d'un café qui commentent l'actualité. Donc, on arrive à unifier tout ce petit monde par le biais de la musique qui est composée par Paul Mistraki. Paul Mistraki était un compositeur très demandé à l'époque et il était aussi parolier de chansons. Euh, vous connaissez tous au moins une chanson de Paul Mistraki. Si je vous dis tout va très bien, Madame la Marquise, et bien voilà, ça c'est une chanson de Paul Mistraki. Et le thème du film va être décliné en chansons. Et cette chanson, elle est intradigétique, ça veut dire qu'elle est incluse dans le, dans le récit, donc les personnages peuvent l'entendre. Et euh, c'est justifié par le fait que cette chanson, elle passe régulièrement à travers les haut-parleurs disséminés euh, dans la ville. Et euh, plusieurs personnages dans le film vont être gagnés par la chanson, il y en a qui la fredonnent, d'autres qui, qui la chantent, tout simplement. Donc tout ça, voilà, ça va nous amener à une sorte de film-univers qui va... Euh, euh, complètement nous gagner, on est inspiré par cet univers, ce qui est souvent le cas euh, dans les films policiers, alors j'en ai mis quelques-uns de côté, évidemment euh, le plus connu euh, c'est Seven, où euh, la ville, les, la spécificité de la ville, la météo, évidemment surtout, imbibe complètement les, les personnages, hein, on sent vraiment le, le poids, de la, le poids de, de, des soucis comme ça qui accablent bah, le personnage de, de Brad Pitt. Euh, ensuite, j'ai voulu faire mon petit malin en montrant un autre thriller. Alors bon, évidemment, le scénario, il n'est pas exceptionnel, mais en tout cas, il y avait vraiment... Le L'énergie, le bouillonnement créatif de Russell McKay avec Résurrection et notre bon, notre bon ami Christophe Lambert, qui est un film franchement que j'aime bien. Et à l'époque, je l'avais maté trois fois d'affilée, une fois pour le film et deux fois d'affilée pour les commentaires audio. Il y avait un commentaire audio de Russell McKay et Christophe Lambert. Il y avait une scène dans la gare qui était vraiment bien troussée, et je crois qu'ils avaient à peine une heure pour tourner dans cette gare. Sinon, il y avait les techniciens de la compagnie qui commençaient à débrancher. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Euh, J'avais mis La Grande Menace aussi de Jack Gold, qui est un film que j'aime beaucoup. Alors pourquoi j'ai mis, désolé pour le son, pourquoi j'ai mis La Grande Menace Tout simplement parce que bah, c'est dominé par Lino Ventura, euh, autre acteur solide, hein, aussi solide que Jean Gabin, et qui permet de un peu rassurer le spectateur contre la plausibilité du récit. Il faut savoir que La Grande Menace, c'est quand même euh, un, un thriller qui ensuite euh, bascule dans l'horreur, voire la catastrophe écologique. Et euh, bah, cette figure-là, un petit peu rassurante, accueillante, nous fait accepter, tout comme Gabin euh, nous faisait accepter un petit peu euh, l'espèce le, de vriment euh, de Maigret-Ton à piège, qui va quand même assez loin donc, euh, dans la violence et puis euh, dans ses effets de, de mise en scène. Euh, L'année d'après, il a tourné une suite, toujours avec Jean Delannoy, toujours avec un scénario et des dialogues de Michel Audiard, dans Maigret-Laffaire Saint-Fiacre. Il était réticent, apparemment, Gabin, pour tourner dans cette suite. Après, il faut savoir que Maigret en un piège a été un carton commercial avec 3 millions d'entrées. Euh, la suite a fait aussi bien. Et c'est pourtant un film très différent. Euh, D'abord, c'est un film qui est un peu plus contemplatif, mélancolique, euh, nostalgique, tout simplement euh, justifié par le fait que le commissaire retourne dans son village d'enfance euh, pour enquêter. Voilà, après, il y a évidemment, euh, je peux réciter d'autres films avec Jean Gabin, adaptés d'un roman de Georges Simenon. Donc, je vous recommande. Avant toute chose, le chat avec Simone Signoret. Je recommande aussi euh, Le Sang à la tête euh, de Gilles Granger, donc ça ça date de 1956, dans lequel gamin compte un armateur qui euh, essaie de récupérer sa femme, euh, le coquifie avec un, une espèce de, de branleur. Donc, en tout cas, vraiment euh, allez-y. Puis en plus maintenant, on fait des éditions Blu-ray absolument magnifiques qui redonnent une, vraiment une nouvelle jeunesse. Et puis euh, pour terminer, euh, le président d'Henri Verneuil le président, en plus c'est tourné, il y a des séquences près de chez moi, à Arpajon. Donc euh, voilà, moi j'aime bien euh, bouffer local. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a convaincu. Essayez de regarder ces films et on se retrouve très très vite pour quelque chose de complètement différent. Il serait temps de me la dire la vérité.